Yo les potes, nouvelle boutique du 22 janvier 2020. Hop, alors on a le retour, merde, le retour de Songe au prix de 1200 e-bucks avec le petit planeur, le petit sac à dos L fragmenté, le petit papillon que tout le monde kiffe. Ensuite la tenue Luminos au prix de 1500 e-bucks, qui n'est pas logique vu que sa copine est à 1200, mais bon, c'est pas grave. Ensuite la hache astrale au prix de 1200 e-bucks, qui est un peu grosse à mon goût. Le petit revêtement Brie au prix de 500 e-bucks. Et le planeur Diaphane que je possède parce qu'il est très beau, tout simplement. Ensuite, le vaisseau. Non, la patrouilleuse noire au prix de 2000 V-Bucks. Il me semble qu'elle était très très rare. Bah, malheureusement, elle est ressortie. Donc voilà, 2000 V-Bucks. Le vaisseau interstellaire au prix de 1200. Et le même en gris, navette orbitale au même prix. On a encore une fois le petit skin Actini au prix de 1200 e-bucks avec son sac à dos que j'adore. Voilà, 3 custom. La double pioche visqueuse qui est très sympa. J'ai jamais vu quelqu'un en game avec pour l'instant, mais bon. Le petit pack qui revient avec la petite pioche Cupidon glaciaire, bec glaciaire et la plume glaciaire au prix de 1000 V-Bucks. S'il y aurait eu un quatrième élément, je l'aurais pris, je pense, mais là c'est pas assez. Ensuite, le petit skin facette au prix de 1200 e-bucks. J'aime bien, mais pas le sac à dos, malheureusement. Le skin mercenaire au prix de 800 e-bucks, qui revient tout le temps. Voilà. Le petit revêtement pétillant, que j'aime bien aussi. L'émote consternation au prix de 200 e-bucks. C'est un classique. Rebond lunaire. Ok. Cette émote était plutôt rare, on va dire. Je crois qu'elle était sortie qu'une seule fois. Et douce liesse qui revient encore une fois au prix de 200 e-bucks et que je possède. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'oubliez pas que j'aurai bientôt mon code créateur. Je l'ai pas encore, mais je l'aurai bientôt. Oula. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Allez, ciao.